Voici quatre clés pour travailler ton grand écart. Clé numéro 1, tu peux travailler en actif ou en contract release, c'est-à-dire mélanger l'actif et le passif. Les étirements actifs engagent les muscles, ce qui permet de protéger les éléments articulaires et de garder en mémoire les progrès réalisés à chaque séance. Clé numéro 2, accompagne chaque étirement d'une respiration lente et profonde. En inspirant, l'oxygène va aider les fibres musculaires à se détendre. En expirant correctement, le CO2 sera évacué largement et comme il est responsable des tensions musculaires, la respiration t'aidera à gagner en souplesse plus rapidement. Clé numéro 3, fais preuve de patience et de régularité. Façonner un muscle pour qu'il s'assouplisse demande une pratique régulière, une à trois fois par semaine, pendant plusieurs mois. Il s'agit alors de laisser le temps à ton corps de changer sans chercher à performer pour éviter de te blesser. Clé numéro 4, respecte les limites de ton corps et adapte chaque position en fonction de tes ressentis. Tu dois travailler sans douleur pour éviter de léser tes éléments articulaires. Pour plus d'infos sur nos cours, stages et formations, rendez-vous sur notre site internet, lien en bio.